Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux. Saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets aux plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Myri41 et bienvenue dans cet épisode 20 sur Grand Edges Rome. Et donc dans l'épisode précédent, nous avions commencé la mission et nous étions arrêtés au moment où nous avions eu notre première maison de patricien. Et donc eh bien on va continuer un peu le boulot évidemment. Hop, déjà on améliore la religion dans notre zone. Oula, non, pas la sauvegarde automatique. Non, d'accord. Je viens juste de sauvegarder, mais allez savoir l'erreur avec le jeu. Donc, en revanche, il y a une maison qui est au chômage. Donc, c'est celle-ci. Donc, tout simplement, on va régler la question du chômage de suite avec production de tissus. Voilà, exactement. Voilà, hop. Et de toute façon, on a du tissu en masse. Ça devrait aller, mais ça va être même plus que probable. Donc nous avons déjà eu notre première maison de patricien, nous allons faire la deuxième maison de patricien, ici même, et on va en installer une autre ici pour le temple, exactement pareil, ça va améliorer un peu les revenus religieux et la ferveur qu'on a envers moi. Oh oui, aimez-moi mon peuple. Non, je rigole. Donc, par contre, je sais pas c'est quoi qu'il faut en religion. Ouais, non, nous ne l'aurons pas, hélas. C'est quand même un peu trop demandé. Alors. Ok, donc dans 2 minutes, de toute façon, on aura fini ça et on pourra récupérer le Panthéon pour en finir avec tout ça. Par contre, je sais plus ce qu'on devait faire là. Ce qui n'est pas top du tout. Déjà, on va rajouter une maison ici et on va rajouter ce qu'on va être à court ici dans le loisir. Voilà. Et apparemment, il va nous manquer du. Pourquoi nous manquer de la farine et des boyaux. Essayer de régler ça au mieux. Hop. Une nouvelle maison. Mon travail, c'est très bien. Ça doit être ici. Ici, il y a des problèmes d'hygiène. Hop. On va régler le problème du mieux qu'on peut. Voilà. Donc ça va être fait. Par contre, ouais, ici, il me dit qu'il me manque encore de ça et de ça. Donc on va rajouter ceci. En plus, ça nous fait générer des biens des marchandises, donc c'est plutôt cool. Par contre, ce qui va nous gêner un peu dans l'histoire, c'est que niveau blé, ça va devenir un peu chiant. Enfin, plutôt la gestion autour de la farine, plutôt pour ne pas se tromper. Hop, donc je vais devoir rajouter apparemment encore un moulin. Le moulin ne réglera pas le problème qu'on n'a pas assez de production céréalière. Donc on va régler le problème de suite. Ferme céréalière. Hop. Et apparemment on ne produit plus assez de 66. Oui, en effet, on ne produit pas assez. Produit plus beaucoup de ça aussi. Ok, donc hop, c'est parti, on va augmenter le nombre de briqueterie. Hop, voilà, et on va augmenter le nombre de camp bûcheron. Écoutez, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hop, et hop, même si je pense que les améliorer si on peut. On peut, hop, on va les améliorer. De toute façon, on a l'argent pour, donc on se gêne pas. Hop. Ça, on en a pas besoin. Au niveau amélioration. Tac. Et tac. Voilà.
pour remarquer quand même qu'on s'en sort plus que bien pour le moment niveau niveau économie. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas rajouter de Patricion. Bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre pour le truc des impôts. Normalement, j'ai dû un peu amortir le coup. Ouais, bof. Je parle un peu trop vite. Le problème, c'est que dans le coin, on a rien pour l'eau. Ouais, ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on peut tricher en prenant la... Essayons d'établir une voie d'eau par ici. Ouais, hop, on a réussi un peu à tricher. Ça va. Tac. On va essayer d'en rajouter une. Ah non, il n'y a pas d'eau. Le jeu voudra pas. Et si tu mettais ça, ça aurait été peut-être mieux. Ouais, ça aurait été mieux. On va la mettre là. Voilà, et là, voilà. On n'a plus de risque d'épidémie. Par contre, apparemment, j'ai une maison de patricien en trop, donc tant pis. Enfin, d'élite, pardon. Non, de... Ah, je sais plus, voilà. On va rajouter... Voilà, une production de tissu. Ça occupe un petit peu. Ah, pardon, excusez-moi. Wow. Chômeurs, il y en a deux apparemment. Ah, bientôt, on va finir le nombre de maisons nécessaires pour réussir la mission. 94, ici et... ici aussi, apparemment. Ben, le problème étant que je ne me rappelle plus ce que je voulais faire ici. Donc ça n'aide pas beaucoup. Tant pis, on va rajouter un... Non. On va rajouter aussi une production de tissu, écoutez. Au moins, si ça permet de limiter un peu le malus par rapport à ces histoires à la con. Hop, voilà. Le peuple est content, j'adore quand le peuple est content, j'adore quand on m'adule. Non, je ne suis pas du tout mégalomane, non, je n'ai aucun problème. Non, vous imaginez des choses, les gars. Alors. Voilà, on peut faire ça. Par contre, je crois qu'on va devoir tirer l'expansion. Ouais, c'est ça, on va devoir tirer l'expansion de l'autre côté. On va. Ok, faire ça proprement. Donc on va rajouter un bâtiment. Ouais, là ça a l'air d'être bien. Faut vraiment faire au mieux là, donc on va faire au mieux, écoutez, hein. Voilà. Et on va rajouter une maison de petits plébéiens là. Les plébéiens, c'est ça, et ça, c'est des équiteurs. À chaque fois, je galère avec les noms. Tac, et on va rajouter une boulangerie ici. Voilà. Clac. Et donc, le temps qu'il me fait ça, je réconstruis. Un bâtiment comme ça, et on va rajouter un temple de Mars. Voilà. Hop, et apparemment on peut en rajouter un, donc on va faire ça, voilà. Là plutôt une. Ouais. Alors, par contre, je sais pas où on en est. Donc, de toute façon, niveau recherche, on va être au niveau, c'est pas gênant. Alors, nourriture, c'est bon. Ça, c'est moins bon, mais on va faire avec.
Très bien. Bénédiction de Mars. Super. Voilà. Et on va construire le... ce qu'il nous demande là, le tribunal. Par contre, je sais pas ce qu'il fait, je me rappelle plus. Je sais qu'on l'a bâti une fois, mais c'est un peu con que je me rappelle plus ce qu'il sert. D'accord. Écoutez, on va l'installer là. Voilà, juste derrière. Ça les occupera. Et nous, ça nous arrange. Ils sont au même niveau là? Ah non. Peut-être installer aussi une porcherie. Enfin non, une boucherie, pardon. Hop, et on va rajouter donc ceci. Zone d'effet est jusqu'ici. On rajoute pour les problèmes d'hygiène ça. On va rajouter une deuxième et on va rajouter donc voilà la santé. Voilà. Que il vaut mieux avoir un peuple en bonne santé qu'un peuple en mauvaise santé. Atelier, ok. Toi bientôt tu vas travailler, donc t'inquiète. Il y a eu quelques dommages apparemment. Un peu dommage. Ok, et donc on en est où là? Ok, donc on va devoir construire le... Encore une maison de... de patricien, je sais pas possible. Voilà, ok. Donc en plus on est tout juste dans les zones de... d'air d'effet, donc c'est plutôt cool. Et... Ding, voilà. Alors... Ah bon, le tribunal permet aussi de faire des recherches. Oh, c'est plutôt intéressant. Et donc, début d'âge d'or, c'est quoi? Le coût de construction en denari? Ah, d'accord. Bah, c'est cool. C'est cool, ça. Bon, on a bientôt fini. Hein, honnêtement, l'épisode, là, va être grosso modo terminé. On aura bien géré pour le coup. Tac. On va rajouter un marché. Un comptoir, plutôt. Pardon. Je regarde les vidéos de Banish d'à côté, donc c'est... marché, comptoir... c'est quasiment la même chose, mais bon... c'est pas grave. Donc par contre, je sais pas du tout... donc ça, on a les 40 maisons, on a deux chômeurs. Chômeurs qui vont bientôt être réglés. Ouais, ça devrait suffire largement, je pense. Alors, je pense que si on voulait vraiment avoir les 60%, il aurait fallu qu'on rajoute peut-être des temples de... Moi, je pense qu'une C4, je le ferai de toute façon dans un let's play, enfin, dans un des épisodes des temples de Vespa, voilà. Ça nous aurait pas trop gêné, je pense. Dans nos petites histoires. Voilà, hop, juste pour déconner, hop, on fait ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a la blinde d'effet, quand même. C'est quand même assez énorme. Là niveau argent, gling, 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 gling. Déjà de toute façon à partir du moment où on gagne 1000, c'est largement bien, largement. Donc la recherche a été finie, je ne sais pas, oui, elle a été finie. Il ne reste plus que un de bâtiment à faire, qui doit être, c'est ça, voilà, Panthéon. Voilà. Et pour que ça aille plus vite, on va un peu booster la construction. Voilà, comme ça. Et normalement, ça tourne au patricien, cette histoire. Ouais. Je vérifie, mais normalement, c'est ça. Hein. Panthéon. Enfin, ils le disent pas, tant pis, c'est pas grave. Bon, au moins, on le sait. Il dit que je n'ai pas assez de ressources de marbre. Tu es sûr, petit homme. Hop. Quel dommage. Vu que j'ai fait les recherches, ça va tout de suite beaucoup mieux. Non, là, l'épisode, on aura vraiment bien géré cette petite mission de deux épisodes. Pas mal du tout, pas mal, pas mal. Bon, par contre, ici, c'est vrai que c'est un peu le foutoir. Mais ouais, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins en attendant. Voilà ça. Ça nous occupera. On peut même faire plus en fait.
Regardez, hop. Technologie, on s'amusait, regardez, hop, 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 voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Par contre, un truc que je suis pas trop convaincu, c'est la fabrication d'armes pour le peuple, là. Je sais pas, ça me rend perplexe. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Ça a une telle vitesse, lol. Voilà. Il m'a pas validé mon... Bah si, mais il l'a pas signalé. C'est pas grave. Ah ben voilà, il vient seulement de le signaler. Et on a fini la mission. Par contre, j'ai un truc en argent. Mais c'est pas grave, c'est très bien honnêtement. Alors on va faire talent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre comme talent? Ça peut être pas mal ça, mais je vous avouerai que le militaire serait peut-être plus pratique. On va faire ça. Voilà. Par contre, au niveau des demeures, je sais pas trop ce qu'on peut avoir. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait virer à la place? À la limite, ça, on va le vendre. Hop, on va l'acheter. Voilà. Ouais, donc c'est pas mal, donc on va valider, hop, et on va faire la campagne. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, désolé si elle est extrêmement courte en tout cas. Tiens, il y a un truc ici en Gallia, c'est plutôt cool. Donc je vous souhaite bonne chance, bonjour à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, Facebook, Twitter, la compagnie Myriam.com. Désolé si l'épisode est extrêmement court, Google Plus aussi, j'ai oublié de le dire. Tout est dans la description, dans la page à propos de la chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo demain de State of Decay. Moi, j'ai déjà tout fini de filmer. J'ai que des traitements à faire. Au final, je peux pas trop vous le dire en vidéo. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous aura plu, vous plaira. Et je vous dis ciao à tous et à la prochaine. Suite de Contagious Rome, lundi, comme toujours. Pardon. Excusez-moi. Donc, ciao à tous et à la prochaine. Voilà. Et encore une fois, désolé si l'épisode était extrêmement court.